Bienvenue chers tous, très chers téléspectateurs, c'est votre nouveau numéro du Gospel Musical saison 9, le plateau de l'évangile chanté. Vous êtes scotché? Vous faites bien, surtout ne zappez pas. Cette semaine, nous avons fait la rencontre d'un groupe assez singulier, dirigé d'une main de maître par un ingénieur de son, érudit de la musique gospel. Son nom s'inscrit de plus en plus dans les annales de la bibliothèque chrétienne, de la bibliothèque gospel. Il s'appelle le maestro Philippe Pondo. Il est là pour nous dire comment tout a commencé. Écoutons l'histoire de ce groupe dont le nom m'intrigue toujours. Malima, Makuli, Malima. Je crois que c'est ça. De toutes les façons, il nous le dira. C'est parti. Salut, coucou à tous. Nous voici ici même du côté de Biémassi, au rond-point express précisément. Nous venons comme ça à la rencontre du responsable du groupe Makuli Malima. Il va nous donner les détails sur la genèse de ce groupe, sur le message qu'il transmet et beaucoup d'autres choses. Pourquoi pas, on va parler de lui-même. Comment est-ce qu'il fait pour allier l'ingénieur de son qu'il est et le chanteur qu'il est et le responsable de ce magnifique groupe? Suivez-moi. Little church, say amen. Little church, say amen. Nous voici même dans la demeure du responsable du groupe Makuli Malima. J'y suis arrivée cette fois-ci. Et tout nous rappelle ici que nous avons affaire, n'est-ce pas, à un ingénieur de son, parce que nous voyons le studio et beaucoup d'autres choses qui nous rappellent son métier. Comme je le disais tantôt, c'est un excellent ingénieur de son, un pianiste aguerri, et il a beaucoup d'autres casquettes. Et lui-même nous donnera les détails tout à l'heure. Salut Philippe Pondo. Salut Najafrique. Comment ça va? Excellent, je vais très bien. D'accord. Est-ce que tu peux faire un coucou à tous qui nous regardent? Bonjour à tous les téléspectateurs. De savoir qui est vraiment le responsable, qu'est-ce qu'il fait, bref, qui il est. Je suis sûre que tous les téléspectateurs veulent également savoir. Oui, voilà, je suis Philippe Pondo. Ingénieur du son, comme je viens de dire, directeur de la structure Goldfinger Studio et bientôt Goldfinger Agency. Goldfinger Studio, c'est le studio dans lequel nous nous trouvons. D'accord. C'est le studio qui a produit tous les titres de Makuli Malima. Et puis, entre autres, je suis musicien, c'est-à-dire professeur de musique aussi, pianiste, professeur de piano, professeur de chant, maître de chœur. Donc, entre autres, voilà. Pour s'arrêter, il vient qu'à ça. Il y a encore d'autres casquettes, mais c'est celle qui nous intéresse ici. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je dirai ses merveilles à chaque seconde, à chaque heure. Qu'est-ce qui a motivé la création du groupe Makuli Malima? Quelle est son histoire, sa jeunesse et le message que vous prenez, que vous passez au travers de ce groupe? Makuli Malima signifie les dons du cœur. Et les dons du cœur, c'est en langue kwasio, ça vient de l'holodorf. En langue kwasio. Kwasio. L'holodorf. L'holodorf, oui. Donc, ça signifie les dons du cœur. Pourquoi les dons du cœur? Les dons du cœur parce que nous avons voulu donner une nouvelle figure au gospel. Nous avons souhaité faire le gospel d'une nouvelle manière. Parce qu'on s'est rendu compte que tous les artistes gospel, quel que soit le talent qu'ils ont, principalement au Cameroun, ont tous la même façon de faire. Donc le Makuli Malima a voulu proposer quelque chose de différent, quelque chose d'authentique, d'original, tout à fait. Puisé dans les racines africaines, mais sans oublier l'expertise qui vient dans la façon de faire le perfectionnement qu'on voit dans le gospel américain, le gospel sud-africain. Silence,
Tout à l'heure, là, le nom de, du studio, c'était... Goldfinger Studio. Goldfinger Studio. Oui, parce que tout ce que nous touchons se transforme en or. Ah, d'accord. Waouh. Wow. Qu'est-ce que je peux toucher ici parce que ça se transforme en or? Absolument. Qui n'a pas envie d'avoir de l'or ici? Ça, c'est très intéressant. Voilà. Et je crois que beaucoup de nos jeunes... actuellement, recherche des milieux, des endroits où ils peuvent s'épanouir. Et je pense que dans Goldfinger Agency, c'est le cas. Oui. D'accord. Et donc, si une personne veut apprendre à jouer d'un instrument de musique, s'améliorer vocalement, se rapproche de Philippe Bongo. Voilà. Parce qu'il a toutes les casquettes qu'il faut pour ça. Et nous avons une équipe. Moi, je forme dans le piano et le chant. Il y a des personnes qui forment dans la guitare, d'accord, la batterie. Donc, c'est toute une école. Oui, c'est une école. On a cette grâce d'avoir plusieurs personnes qui ont non seulement le don du chant, le don de la chorégraphie, le don de la danse, le don de la mise en scène. Parce que ce que les artistes gospel oublient, c'est que nous sommes aussi des artistes. Très, très, très. Non seulement des adorateurs de Christ, mais des artistes. Et un artiste, c'est quelqu'un qui... grand ministère, mais au-delà du ministère, il y a un spectacle qu'il faut savoir donner. Parce que quand on vient à ton spectacle, c'est pour voir autre chose que ce qu'on voit à l'église. On adore à l'église, mais habillé, voilà. Si je viens à un concert, tu dois voir une scène et que je n'en vis pas les concerts du monde. Tout à fait. Que je vois tout ce que je peux voir dans un concert du monde, mais en Jésus-Christ. Je t'appelle, réponds-moi au Seigneur. Car mon âme se meurt. Sans toi, il n'y a aucune saveur. Quelles sont les perspectives maintenant de Makuli Malima? Oui, Makuli Malima a, ce 21 juin, le 21 juin qui est passé, organisé un événement qui était basé sur la fête internationale de la musique le 21 juin. Et on est parti sur du constat que ce jour, dans le monde, on trouve des regroupements par tous les musiciens qui jouent des plateformes où les artistes du monde ils s'expriment et aucune plateforme pour le gospel, aucune plateforme d'expression pour la musique gospel. Alors que la musique au départ a été faite pour adorer et louer Dieu. Or, il fallait donc trouver une plateforme pour que les artistes puissent s'exprimer le jour de la fête de la musique. Donc nous avons convenu avec certaines communautés, nous avons vu autant de communautés que possible, et toutes celles qui ont été d'accord de nous accompagner dans ce projet. Nous avons créé un mouvement pour faire cette plateforme. Avant le concert qui devait avoir lieu le 22, et on voulait faire une formation le 21 juin, parce que le 21 juin tombait le vendredi. On a fait donc la formation le 21 juin, et ensuite on était censé faire un concert le 22 juin qui a été repoussé à cause des choses qui ne sont pas, disons, des choses qu'on ne peut pas toujours prévoir. Il y a eu des imprévus et on ne voulait pas faire un concert qui n'était pas à la pleine mesure de la dimension de la gloire de Dieu. Donc on a décidé de repousser le concert en décembre. Je profite de cette occasion, puisqu'on parle de perspective, pour dire que Makuli Malima lance justement un casting ce mois d'octobre ici. D'accord, très intéressant. Oui. C'est un casting qui est ouvert à tout le monde. Nous avons besoin de chanteurs, informés, instrumentistes, bref, tous ceux qui veulent louer le Seigneur. Ceux qui veulent également danser. Qui veulent danser, ceux qui veulent même apprendre, mais qui ont quand même du talent, qui sentent un appel, parce que on ne force pas ces choses. Quand tu as l'appel, tu as l'appel. Si tu n'as pas l'appel, autant mieux chanter le dimanche à l'église, comme tout le monde. Mais si tu veux être devant le peuple pour chanter, il te faut un appel, parce que Dieu va accompagner. Non, Makuli Malima. Makuli Malima. Malima. A des albums déjà, des singles. Oui, Makuli Malima a un premier album qui est sorti, un album de 16 titres. Un album de 16 titres qui a été enregistré ici au studio Goldfinger. Nous avons sorti, fait la sortie dédicace le 21 décembre. D'accord, de quelle année? 2019. 21 décembre 2018. Comment on fait pour s'en procurer, pour pouvoir regarder vos clips et... Voilà, déjà pour les clips, on a 6 vidéos disponibles sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Makuli Malima. Sur YouTube, vous allez trouver... Vous avez également une page Facebook. Voilà, on a une page Facebook où vous pouvez avoir toutes les informations sur le groupe à partir de Facebook. Et puis, pour contacter Makuli Malima, il y a le numéro 696 33
47 82. Encore. 6 96 33 47 82. À partir de ce numéro, vous pouvez appeler, contacter le groupe et vous avez toutes les informations. Le CD est disponible, c'est un album de 16 titres, comme je disais, qu'on vend aujourd'hui à 1000 francs. Nous avons intitulé l'album Éternel guérit mon pays en anticipation au débat, au grand débat national par lequel le Cameroun passe. Et puis nous avons voulu que l'Éternel regarde particulièrement le problème qui se pose au Cameroun. Cet album aujourd'hui coûte 1000 francs, mais la sortie coûtait 2000, aujourd'hui il coûte 1000 francs. C'est 16 titres. Donc, on a des albums de 4 titres qui coûtent 1000 francs. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Et je vous assure. 16 formidables titres. Je crois que ça a consommé sans modération. Sans modération. Oui. Bien, Philippe Pondo, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cette magnifique demeure. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Tout l'honneur est pour moi. Et on se dit que la suite est sur le plateau du gospel musical saison 9. Philippe Pondo et son groupe Makuli Malima sur le plateau du gospel musical saison 9. Écoutez et soyez bénis. I can see.
Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna. Géant, quelle justesse, quelle adresse. Que l'évangile chanté avec excellence continue de se propager. Et toi, toi qui me regardes, si tu veux faire partie de cette kyrielle de talents qui preste sur le plateau du Gospel Musical saison 9, écris juste un message sur notre plateforme Facebook Gospel Musical. Et toi également qui as été marqué, touché par cette prestation, n'hésite surtout pas à aimer les vidéos postées sur cette même plateforme. Plusieurs albums Accent Natif, certains d'entre eux ont bercé notre tendre jeunesse. C'est une femme d'impact, mais ça va de soi. Elle s'appelle Séraphine. Et vous savez, les Séraphins sont ces anges qui sont très proches de l'Éternel. En hébreu, leur nom signifie flamboyant. Raison pour laquelle c'est une femme de feu et qui est toujours proche de l'Éternel par ses chants, par son histoire. Elle nous raconte les œuvres de l'Éternel. Écoutons Séraphine. Salut, je suis Séraphine Tipavi, originaire de l'Ouest Cameroun. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, chrétienne, née de nouveau, et je fais la musique chrétienne. Oui, ma rencontre avec la musique, c'est une très très longue histoire. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus très jeune et je côtoyais déjà le milieu chrétien. J'aimais bien être à la chorale, j'aimais bien chanter et très tôt j'ai écrit des chansons pour la gloire de Dieu. Pourquoi j'embrasse cette carrière, si on peut le dire comme ça? J'avais tellement envie de partager ce que j'avais appris de Dieu, ce que je recevais au travers de sa parole, ce que je recevais dans la prière. Et je vous le dis, je voulais d'abord être pasteur, mais j'ai été découragée par le Seigneur lui-même parce que j'ai eu la conviction qu'en tant que femme, si je prêche l'évangile, beaucoup ne vont pas m'écouter. Mais si je chante, les hommes, les femmes vont m'écouter, les vieux, les petits vont m'écouter. Alors j'ai choisi la musique pour faire passer le message du salut, pour partager le message d'encouragement que le Seigneur nous donne au travers de sa parole. Comme maintenant, aime ta fiancée, Jésus qui aime ton église, au point de donner ta propre vie. Voilà, j'ai 2 albums sur le marché. Le premier album est intitulé « Liberté » et le deuxième s'intitule « Sois fortifié » avec un single, « Un enfant nous est né ». Ça fait plus de 10 années que j'ai sorti le premier album et le deuxième, je l'ai sorti en 2016. C'est vrai, peut-être vous allez vous demander pourquoi je ne suis pas toujours là. Voilà, pour moi, la musique chrétienne, ce n'est pas un métier. C'est pour moi une manière de marquer ma consécration à Dieu. Je voudrais juste partager l'amour de Dieu, partager la parole avec vous. Parce que le don que nous recevons de Dieu, c'est d'abord pour l'édification de l'Église.
et puis les autres peuvent en profiter. Donc pour moi, la musique, je ne la fais pas en plein temps. Peut-être c'est pour cela que de temps en temps, vous ne me voyez pas. Mais c'est quelque chose que j'aime tellement, qui me passionne. Et je vous promets, peut-être par la grâce de Dieu, je serai de plus en plus proche de vous. Je serai de plus en plus présente. Déjà, je dis merci à Dieu parce que sur YouTube, on peut quand même déjà avoir quelques traces de Séraphine Tipavi. À l'avenir, peut-être vous aurez une page Facebook officielle, pourquoi pas un site aussi. Ben, tout pour la grâce de Dieu, hein, parce que vous savez, l'homme propose et c'est Dieu qui dispose. Un conseil à la jeune génération, sans toutefois exagérer, sans être extrémiste, sans être fanatique, je vais vous conseiller de croire la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et nous avons tout dans sa parole. Nous avons tout ce qu'il y a de bien. Si tu as besoin d'amour, d'affection, de paix, de prospérité, de richesse, tout cela se trouve en Jésus-Christ. Et la Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose te sera donnée par-dessus. Marche avec Jésus en avant. Marche avec Jésus-Christ en avant. Je vivais dans ce monde comme Israël en Égypte, dans la servitude, l'oppression du prince de ce monde. Mais Dieu, par son bras puissant, m'a retiré. Il m'a dit, jamais tu ne retourneras plus par ce chemin. Il m'a dit, jamais tu ne retourneras plus par là. Et mon âme loue Dieu. La suite, c'est sur le plateau du Gospel Musical, saison 9. Merci beaucoup Séraphine pour cet exemple de femme accomplie que tu présentes tant sur le plan ministériel, professionnel que femme au foyer. Merci également pour les conseils, je suis sûre que la jeune génération en a pris note. Alors recevons maintenant Séraphine sur le plateau du Gospel Musical saison 9 et c'est parti. Why?
glorieux, glorieux moment. Malheureusement, nous acheminons vers la fin de cette édition, mais fort heureusement pour se retrouver la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Pour tous ceux qui n'ont pas pu être des nôtres, vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux, nos plateformes. Les adresses s'affichent juste au bas du petit écran. Et surtout, on n'oublie pas, Big Gospel!